Bonjour à Oui. tous, ici Pharo Sadius et Utgard Lodbrok, car Petit Vampire Gaming ne nous rejoint pas tout de suite, mais il est présent vocalement. Coucou. Salut tout le monde. Salut, salut. Cette fois, donc, nous allons refaire la bête de la fumée de feu, mais avec Utgard. Bon, apparemment, il l'a déjà fait juste avant. Ah, il n'y a pas eu de cinématique. Ah oui, non, mais je crois que s'il n'y a pas de cinématique, il faut que j'aille corriger ça. Après, en vrai, la cinématique, c'est pas si grave que ça parce qu'on l'a, je l'ai déjà record la cinématique, mais je vais quand même. C'était ouais. Par principe, quoi. Je vais quand même vérifier si c'est pas un problème parce que. Pas que je tourne l'épisode de Yatsu no Kami et qu'on n'a pas la cinématique de fin, ça me ferait un peu chier. Ouais. Par contre, Ah oui, je c'est normal, parce que je crois que les cinématiques de début de niveau ne sont pas n'apparaissent pas en coop. T'appelles quoi les cinématiques du début de niveau? Tu sais, par exemple, que quand t'as Toyotomi, là, il fait le singe devant Dosan, tu sais. Si, ça on l'a eu tout à l'heure. Ah, donc c'est peut-être Utgard alors. C'était Gare Casquette? Ça dépend qui est Oh, l'hébergeur du Chamel? bah c'est lui, c'est C'est lui. moi. Paramètres caméra. Moi j'ai rien skip du tout. Non, mais c'est possible. Il y a un endroit dans le jeu, je sais plus où c'est. Paramètres de base du jeu. Voilà, c'est paramètres de base du jeu. Il y a passer les vidéos vues. Il faut que ce soit sur manuel en fait. Après, je crois pas qu'au début de cette de ce niveau, il y a une cinématique. Oui, il y en a une normalement. Il y en a une à chaque début en fait, hein. Parce qu'en fait, je t'explique, ça c'est un truc que je mets, c'est qu'en fait, il faut activer. Et bon, ça c'est surtout pour les records, parce qu'en vrai, sans les records, je m'en fiche. En fait, c'est dans paramètres du menu. En fait, quand tu vas dans paramètres menu, c'est marqué, il y a quelque chose. Attends, il est où? C'est où ça? C'est où? Je retrouve plus. Attends. Dans paramètres de base du jeu. Tu as passé les vidéos vues, et puis au lieu de mettre automatique, il faut mettre manuel, comme ça elle skip pas automatiquement pour tout le monde. Voilà. Par contre, ouais, Sentence, mort par fusil. Voilà. l'arquebuse, ça c'est le fun. Ah, je me régale. Je me régale, c'est vraiment. Oh là là! Le seul bémol que j'ai à faire sur cette arquebuse, sur la modélisation de l'arquebuse, c'est qu'elle est vachement fine par rapport à la vraie. Alors que la vraie, vraiment, c'est un projectile. Si c'est pas un truc de la taille d'une balle de golf qui t'envoie dans la tête, tu vois, c'est. Bon, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs modèles d'arquebuses et c'est que c'est pour varier dans Après, il y a surtout les canons à main. Hein. Enfin, les canons portatifs. Ah, j'en ai pas encore trouvé dans le jeu. Si c'est comme dans le niveau 1, ça va être assez immense. Ouais, j'ai le souvenir dans Nioh 1. J'en ai chopé un seul dans Nioh 1. J'ai fait, oh bordel, c'est quoi ce truc? Ah bah, surtout le canon portatif, t'as pas envie de t'en prendre un tir, hein, ça je te le garantis. Bon, il paraît que c'est très bon pour la peau. Le petit gommage au canon portatif. Exactement. Le gommage de la momie. Voyons voir les levels, parce que si on tombe sur un HL qui est mort, je me fais pas tomber. Ah, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas assez d'atmosphère. Juste à ta barre de vie. Ouais, un petit île par-ci, un petit île par-là. Et patati et patata. Toute façon, j'ai tellement fait d'offrandes que j'ai toujours 8 élixirs à chaque fois. Moi, sans parler des élixirs, là, j'ai toujours. Toujours les trucs que tu as au début, tu sais, l'espèce de B là, ou je sais pas quoi. Là, c'est les élixirs, ça. Ouais. Ouais. Le Soudama, je l'ai pas trouvé sur cette map. Il faut que j'aille le chercher d'ailleurs.
Le souquet. Ouais. Tu sais, c'est le Kodama violet. Ah, oui, bah il est en bas. Ouais, je sais où il est, mais la dernière fois, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait lui donner. Maintenant, je sais ce qu'il... Maintenant, je... Tu lui donnes n'importe quoi. Et on fait comment pour donner? On lâche un objet dans l'inventaire ou ouais, on lance un truc dans la gueule? Non, tu lâches un truc dans l'inventaire, ça va le faire tomber au sol, il va venir, il va le récupérer. Tu sais ça, il garde. Quand ça, c'est bleu, quand ça, c'est bleu turquoise comme ça, c'est que c'est un dev qui a placé la tombe. Non, il s'est dit, au moins il a une situation de secours si jamais il joue en solo quoi. Ah, j'ai envoyé la vidéo sur Discord, si jamais, de l'épisode qu'on a fait ce matin. Et j'ai mis le timecode au moment où Udgard tombe dans l'eau. Ah, d'accord. Bon. What? 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 En fait, c'est ça qui me choque toujours dans Nioh. C'est que c'est méga facile, et un jour, t'as un bandit random qui te one-shot. Je fais, mais c'est ça qui me trigger à chaque fois sur Nioh. Par contre, le Hippon d'Atara, il est casse-couille, celui-là. Alors, voyons voir. Bon bah, allez. T'es prêt pour le Hippon d'Atara? J'adore l'ennemi qui tombe sur le cadavre de son pote. Un noyau d'âme. Moi je l'ai déjà eu le noyau d'Hippon d'Atara première run. Ah non, tiens, je l'ai encore drop. Ouais, de toute façon, les noyaux d'âme il faut les farmer étant donné qu'après tu gagnes des compétences pour les formes. Donc. En fait, c'est ça, le Hippon d'Atara il me piège à chaque fois. Comme un con, je lui fais une lourde, j'ai plus de stamina et il me tout shot. Moi je fais du run gun, hein, je sais pas si t'as vu, hein, je me suis baladé et puis j'ai commencé à shoot un petit peu. Ah non, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Là je suis en full set de la horde démoniaque, c'est vachement beau. Ça c'est la petite fille de Senji Muramasa, ça on sait. D'ailleurs, j'ai pas chopé tous les Kodama sur la map ici. Normalement, il y en a un dans le coin. On en manque deux. T'en as trouvé, petit vampire, hier? Enfin, ce matin? Des Kodama? Non, je n'en ai pas trouvé. Parce que moi, je sais où il y en a un, mais j'arrive pas à atteindre l'endroit où c'est. Pourquoi ma lame, elle brille comme ça? Bah, c'est une arme démoniaque, en fait. Ah, donc les armes démoniaques, elles finissent par briller, parce que quand tu tues des ennemis, tu assoiffes la lame, ce qui fait qu'en fait elle réagit. Et en fait, quand tu frappes avec une arme démoniaque, tu voles de la vigueur maximale aux ennemis, donc c'est très très efficace les armes démoniaques. Oui. Je confirme. Bon, c'est un Hippon d'Atara level 10, hein, donc je vais direct dévorer l'âme. Bon appétit. Parce que un Hippon d'Atara level 10, ça ne sert pas à grand chose.
Des capacités de... Ah, il y a toujours ma tombe que j'ai mis pour aider les joueurs. Ici, c'est un passage un peu chaud. Après, je vais devoir fouiller un peu la map pour retrouver le Sudama. Il faut que tu passes ce niveau des maisons enflammées, tu sais, sur le côté droit. T'es sur les maisons dans le côté droit, tu sais, là où t'as les trucs qui te balancent des sortes de zombies qui te balancent des trucs à la gueule. Ça c'est fait. Ouais, bah on va chercher ça avec une garde, de toute façon. Parce qu'on y est, de toute façon, on est pas mort. Il y a le Enki à tuer, de toute façon. Le Enki, il est juste devant. Ah, mais tiens, il y en a là. Fais gaffe au Enki qui est juste derrière toi. Ah, le gros là-bas? Ouais. Ah, ça marche bien, ça, BAB. Hein. C'est ça, t'as un bras à la gueule. Aïe, ah, je suis mort. Oula, la merde. Help me. T'es mort? Ouais. Non, putain, j'ai pas le temps. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Le Enki, c'est ça qui est chaud avec le Enki. C'est que je trouve que c'est, il est dur à battre, ce Enki là, parce que si tu fais pas gaffe, tu finis dans le feu en fait. Voilà. Mais de toute façon, le Enki, j'ai l'impression de voir un Rajang, c'est beaucoup trop mobile. Bon, allez, c'est parti. Ah, moi je galère plus sur le Enki que sur la plupart des boss du jeu. Hein. Bravo. Ça va, j'ai rattrapé ma mistake. Alors, je sais pas si Lyoki il a repop. Hein? D'accord. Oh, cette exécution publique. Le voilà, le Lyoki il a repop, ok. Bon, le Lyoki ça va. Ah, ça me détend après les emmerdes que j'ai eues aujourd'hui. Ah, c'est passé quelque chose de grave? Non, non, rien de grave, c'est toujours le même merdier depuis un mois. Bon, un problème avec ma banque. Ah ouais. Bon,
Ouais, c'est ici. Mais non, ne bloque pas maintenant le jeu. Garde a besoin de moi, ne bloque pas maintenant. Est-ce qu'il a vraiment besoin de moi, c'est la question. Oui, oui, oui. Qui a besoin de moi? Oh, peut-être pas, elle a... Oui, oui, oui. Raté. Non mais le NK dans une maison tu laisses tomber hein, si. Ah vous êtes loin. Allez la balle, la bastos, la pastille, sale macaque de merde. Oh yeah, j'ai chopé un noyau d'œuf. Pareil. Non mais c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le NK est rentré dans une maison et il nous a plaqué, moi et Udgard, contre un mur et il nous a enchaîné. Bon, on a réussi à esquiver la plupart de ses coups, mais. Et voilà. Ouais, je vois. Bah, il y a 2-3 de mes hits qui sont passés, quoi. Bon, allez, maintenant, je vais tenter de chercher le Sudama maintenant. Je crois que l'entrée, c'est dans une maison. Ça, ces machins là, c'était les premiers ennemis de Nioh 1. Ah ouais? Ah ouais. Avec les bandits, bien sûr. Faut pas déconner, on va partir. Non, bah l'entrée elle est là. J'arrive. J'ouvre juste un coffre. Alors. Rien à battre des dégâts de chute. Je vais marcher, j'ai fait pas le temps de loot. Pas le temps de loot. Oh. Oh mon dieu! Mais. Ah mon dieu! Bon, j'y vais. Ah, je me suis fait tuer par moi-même. Putain, j'ai cru que j'allais prendre un noyau d'homme de Pharaoh, salut, j'ai eu peur. Ah ouais. Son pouvoir spécial, meurt dans les coins. Moi j'aime bien les animations de Nioh quand t'es proche du vide. Moi quand je savais pas faire des roulades, je suis mort comme une merde dans le 1. En fait, t'es proche du vide et t'as une chauve-souris qui te fonce dessus. Et en fait, si tu fais pas de roulade, et bah t'as l'animation de William, il fait oh, 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 il tombe dans le vide. Merde, je peux pas lui tirer dessus là. Oh, sharpshooter, ta-da-da-da, ta-da-da-da. Ah, merde. Non, on a perdu le garde, ça y est. J'ai pas trouvé le Sudama.
Mais filez-moi une arquebuse, je vous conquis le Japon, moi. J'ai pas trouvé le Sudama, je vais refouiller. Tu l'as pas? Non, attends. Est-ce qu'il est là où je pense? Je crois qu'il est là où tu... Non, non, mais il est dans cette grotte. Oui, mais il y en a deux. Est-ce qu'il est en face, là où tu combats un petit boss à l'intérieur? Tu sais, quand tu rentres dans la grosse maison et que tu tombes dans le trou, là où d'habitude c'est en feu. Est-ce qu'il serait pas là, le Sudama, par hasard? Ouais, peut-être. Et s'il est pas, s'il est pas dans la grotte en question, il est dans l'autre. Dans l'autre partie, justement. Non! Si, si. Ouais. J'ai juste fait une mauvaise chute. Bah. Parce que moi, je l'ai pas débloqué, le Sudama, sur ce niveau. Et le Sudama, c'est super important, parce que le Sudama... Quand tu débloques les Sudama, ils te vendent des objets après. Et c'est pas de la merde, étant donné que mon casque il vient d'un Sudama. Ah ouais ? Ouais. Enfin mon casque, c'est une coiffe de prêtresse. Ah bah il faudrait peut-être que je les trouve moi les Sudama du coup. Et les Kodama aussi. Ouais. Attends. Bah Kodama, j'en ai trouvé quelques-uns, mais... Après, dans le pire des cas, genre certains niveaux, si jamais on les trouve pas, je regarderai un endroit... Ouais, on finira par regarder sur un wiki, hein, si au bout de la troisième, quatrième fois, on trouve pas... C'est ce que j'ai fait pour trouver le Kodama manquant sur le premier niveau. Ah ouais. Ouais. Alors lui, il l'a bouffé à bout portant dans la bouche. Mais c'est ce chemin-là, ouais. J'imagine déjà le bordel que ça va être. Ah le merdier où je me... Le merdier que je me le conseille, que je me suis pas mis. Bon déjà j'ai eu les minions donc viens on fuit, on attire cette saloperie. Wow, je me suis pris quoi là? Ah non. Le soin? Tu m'as cassé les couilles! Ah, je suis mort. Ouais, le feu. Et lui aussi, c'est le feu, va le tuer. C'est ce qu'on appelle dans For Honor égalité. Tie game. Même si techniquement c'est Nipponatara qui a gagné, c'est comme le saignement en fait. Tu butes le mec mais tu meurs du saignement juste après quoi. C'est au moins il est mort cette merde. C'est tout ce qui compte. On va juste falloir faire gaffe à pas crever ce coup-ci parce que là il ne reste plus qu'une heure de... Ouais. Ah on va faire descendre l'échelle, ce sera plus simple. Ah là tu l'as buté celui-là, c'est vrai. Ah ouais je l'ai eu loin, j'ai fait boum, sharpshooter, bah voilà, c'est par là, l'échelle. J'aime bien le concept Metroidvania de Nioh. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Tu vois ce que je pointe, tu te gardes. Ouais, le Kodama. Ouais.
C'est l'un des Kodama qui me manque. Passer par je sais pas où pour l'avoir, mais il faut passer. Attends, tu vois par où on doit passer? Attends, mais on va voir par là. Peut-être qu'on a des... Le Nourikabe, vous l'avez détruit ou vous avez réussi à le pacifier? Non, on l'a détruit. Je l'ai tapé. Oh, je savais pas qu'on pouvait le pacifier, c'est pour ça que je l'ai tapé, moi. Il est arrivé, il a fait Taïo! Je viens me voir avec des yeux, j'ai fait c'est quoi cette abomination? Ça doit pas exister, brah! Ouais. À moi, vous inquiétez pas, je crois qu'on a tous fait ça. Ah, il y a encore un Kodama? Celui-là, je l'ai déjà. On a tous fait ça la première fois, mais en fait, on peut pacifier le Nurikabe et je vais te montrer comment on va faire. Je vais te montrer comment on fait après. Mais voilà, c'est une chance sur deux de foirer, hein, donc de doute dans tous les cas, on va peut-être devoir le taper. Mais j'y crois pas, Yafaro, il veut m'empêcher de tuer des choses. Ouais. Bon, du coup, comment est-ce qu'on va accéder à cette espèce de petite merde là-haut? On va fouiller. Oh putain, le noyau du Gaki qui peut. Par contre, ouais, on voit la différence entre se dire des petits vampires. La vidéo, elle a duré une heure avec petits vampires parce qu'on a pris 40 minutes juste pour atteindre cet endroit. Là, on est à 26 minutes, on est déjà devant le boss. Faut dire que Utgard, il a pas... Enfin oui, il s'est quand même jeté dans le vide une fois. Je suis sûr que c'était accidentel. Non, c'était voulu. Tout était calculé, même. Exactement, Billy. Ouh, sale pute. Attention, ça va nous arriver dessus. Hein. J'arrive. J'ouvre une porte et j'arrive. Ah bah, il est tombé en bas. Il peut pas remonter. Ah oui, il peut remonter. Ça y est, viens, on la tire dehors, viens, on la tire dehors. Là où il n'y a pas de flamme, là où il n'y a rien. On l'a tellement mort par fusil, enculé. On l'a tellement tué comme une merde, celui-là. Ah bah écoute, après, il faut gruger les boss. Hein. Non, je vais juste détruire cette zone maléfique. Moi, si Dark Souls m'a bien appris, c'est gruge les mobs avant que eux ils te grugent. Ouais. Et ce que Sekiro nous a appris, c'est que les boss ont tendance à suicider tout seuls. My name is Ah. Ah oui, parce que tu peux globalement faire comme ça le boss. Hein. Genre, tu peux littéralement genre tu montes sur une des espèces de tours de siège qu'il y a sur le champ de bataille. Après, tu te grappines sur le château qui protège, tu vas au coin du château où il est dans le vide, et en fait, il va faire une charge de cavalerie, mais vers toi, sauf que toi, t'es au-dessus sur le toit, et lui, il va juste tomber dans le vide comme une merde. C'est... Ah, c'est magique, hein. Je sais que c'est un des passages, là. Je me demande si c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là, ah. Je l'ai trouvé. Attends, j'arrive. Par contre, la tactique pour pacifier les Mujina, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Alors, si jamais les Mujina, c'est les ratons laveurs, là. C'est les ratons laveurs qui se prend votre apparence. Je sais pas, moi j'ai vu un raton laveur qui avait l'apparence d'un pufferfish. Oh, il y a un Nippon Data. Hein. Attends, avant de l'attaquer. Je vais préparer ça. La flûte du dragon. Bon, je vais l'attaquer, Lupin de Terra, t'es prêt? Ouais, je regarde juste ce que j'ai ramassé, parce que la flûte du dragon... Ah d'accord, c'est une flûte. Ah!
mauvais plan. T'existes pas! Et un noyau d'âme de l'Ipon d'Atara. Un noyau d'Ipon d'Atara et un noyau de Obini Infernal, j'ai eu. Deux pour un, mais c'est génial. Tiens, encore un autre là. Parfait! Le Onibi, je sais pas ce que c'est, mais. C'est les têtes volantes. C'est les têtes volantes qui. Ah, c'est ça! Oh le pauvre, tu lui as tellement marché dessus comme un cadavre de Pompéi, il est tombé en poussière quoi. Moi il y a des choses là derrière, c'est... Ça me donne envie de brûler des choses. C'est pas par là. Je pense qu'il doit y avoir une autre sortie. De toute façon, on va fouiller, hein. Il faut qu'on récupère ce Sudama, de toute façon, et ce Kodama. Par contre, notre barre bleue, elle s'est re-remplie, comment ça se fait? Ah, la bonne question. Ouais, on va pas prier, hein. Ouais, non, est-ce que c'est genre parce qu'on a tué des boss sans crever, ou... peut-être parce que j'ai atteint le sanctuaire... Oh, attention. J'ai dit, je vais juste me soigner. Non. Ah, quand tu t'enchaînes, tu peux tellement plus rien faire. Moi aussi, je vais enchaîner. Un armoucha, tu vois. Enfin, un armoucha en armure de Kelsey. Oh. Ouais, c'est ça. Le fantasme For Honor à son maximum. Ah. Non, le fantasme For Honor, ce serait un Kelsey avec un kilt. Il y a le yokai casse-pied du lore, trop bien. Ça, c'est un yokai qui s'accroche à ta jambe et qui veut pas te lâcher. C'est dans la description. Oui, ou alors une femme qui veut pas te lâcher aussi. Et dans les câlins. Ça marche aussi. Bah, si une femme qui veut pas te lâcher qu'à dans les câlins, volontiers. Pourquoi dire non, cher gentleman? Ouais, lui dropper un item, lui dire d'aller se faire foutre, ce truc de merde. Bah en fait, il me donne des bonus lorsqu'il reste. Je crois que tu gagnes plus d'Amrita et un truc comme ça. Ah, c'est peut-être par là, du coup, pour aller sur le toit de merde, là. Non? Non! Si. Oh là 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 là! Oh là! T'as tellement joué ici, les doubles katanas d'à côté. Faudrait que je teste le katana, le mini katana. Ouais. Ah, ici. Voilà, j'ai le Kodama. Attends, j'arrive, je vais prendre le Kodama aussi. Maintenant, plus qu'à aller chercher le Sudama. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès. Sûr. Bah, sur Cyberpunk, tu sais, quand tu dois récupérer une DS là, et que tu trouves le fils et son père. Ouais. Et bah en fait, en tuant la tour, il y a une balle qui est passée, parce que évidemment c'est le fusil chargé à bloc, tu sais qu'il passe à travers les murs, et j'ai tué le fils qui était sur la chaise. Oh, on a brain le boss? Ouais. Ah bah c'est là l'autre côté. Ouais. Oh, attends toi. J'aime bien Gaki parce que la traduction de Gaki c'est littéralement morveux, donc c'est tu prends une âme de morveux.
Par contre, pas de sous-dame. Bah ok, on peut aller checker sur un wiki, hein, si jamais. Bah non, mais... Il est pas en contrebas en dessous? Ou alors tu l'as déjà fait? Non, je l'ai pas fait. Mais je crois qu'il peut pas tout le temps, c'est ça le truc. Ah. J'aime bien parce que je le stunlock avec mon arquebus, c'est trop bien. Moi j'ai surtout, je l'ai surtout paralysé aussi, ça a bien aidé. Yep. Pourquoi je trouve une arquebus démoniaque? Non, si je pense que ça devrait se trouver. Si on a une, ce serait génial. Bon, pas de Sudama, c'est pas grave, on va aller finir ce niveau. Allez, viens. Ouais, on se rejoint là-bas de toute façon. C'est juste moi qui fais le tour comme un demeuré. Débile. Voilà. À moins qu'il est là-dessous, dans le fourneau. Dans le fourneau, en dessous. Bah, ouais. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est ça que tu parlais d'en dessous. Attends, on va faire le fourneau, n'ouvre pas la porte. Mm-hmm. Il faut qu'on éteigne le fourneau, donc on doit remonter tout en haut. Et c'est dans... Normalement, c'est dans une des galeries à l'intérieur. Ouais, c'est... Bah, t'as un seau à pousser. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, j'arrive, je te suis. Bon bah, Faro, hein, 100 000 et des brouettes, ça y est. De quoi? Là, je suis à 100 000 crédits sur Cyberpunk. La merde, par contre, il y a un... Bah, il y a un boss, par contre. Ouais, il y a un boss, totalement ça. Ah bon, c'était un boss? Ouais. Je dis ça, mais autant on va refaire le boss et je vais me faire ouvrir en deux, mais ouais. Il y a un autre gars qui gros en bas. Je voudrais su le faire. Ah! Ouais, t'as raison, la cam. Merde! Enlève-moi! Ah! J'ai voulu descendre en bas! Et où le... Et au lieu de descendre en bas, j'ai fait la grosse chute! Bah, t'es descendu en bas, quoi! Bon, j'ai moi juste sauté dans le fourneau, c'est pas. Oh, t'es sérieux? On peut choper des noyogames sur des guerriers squelettes? Ça fait quoi? Ça fait quoi d'ailleurs? Eh, mais c'est trop bien! T'invoques que des guerriers squelettes! Bah, tu le savais pas? Bah, je viens de le choper pour la première fois! Moi j'ai déjà chopé personnellement. Oui, bah, de toute façon, tu sais que c'est aléatoire. Bah, ouais, je t'attends moi du coup dans le fourneau. Pour ça, je suis choqué parce que les guerriers squelettes, c'est pas des yokai à proprement parler. Let's go! Ça pue la merde, mais let's go!
Mais... Bon. Ok, Non, en fait, en dessous le fourneau, c'est là où on venait juste d'arriver avant. Ouais, c'est ça. Bon, ben... Le bon, boss... Le boss et pas Tsudama, rip nous. Pas grave. Bon, de toute façon, les niveaux, on va les refaire, il va falloir farmer. De toute façon, on risque de les refaire en, on risque de les refaire en off pour s'occuper, donc c'est pas le problème. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Let's go! La porte semble verrouillée. Mais... Elle est là. La clé, elle est là. Oh, merde. C'est le maître de la forge. Faut que je passe par là. Allez, ouais, je crois que tu peux le faire, je t'attends là. Bah y'a aucun mob donc je peux pas. Un problème. Je sais plus autant que je meurs. Ah ouais, tellement. Enenra c'est un yokai qui apparaît dans les flammes dans la mythologie japonaise. Ah là, le boss est dans une forge. Ouais. Regarde qui est en train de cramer. Mais comment je fais pour... Ah voilà, j'ai plus les flammes, ça y est. Ça y est, j'ai la clé. Attends, juste avant. Je veux voir ce qui... Je veux voir si j'ai... Si... Ouais, non, tant pis. Allez, on y va. Oh, bon, espérons qu'on le first try. Avec une guerre, ça devrait aller, je pense. Et on l'a first try aussi. Ah bah là on a une cinématique. Donc ouais c'est juste la cinématique de départ qui voulait pas venir. Ah. Là le garde l'a zappé pas. Ah bon. Pourtant j'ai rien zappé moi. On a plus de points de res. T'es en train de me dire qu'il va falloir que je me fasse cet enculé tout seul? Oui, c'est ça! Oh! Il m'a fait la tornade, petit vampire. Ah, ouais. Il m'a fait la tornade et j'ai juste pas eu le temps d'esquiver. J'ai appuyé sur esquive, mais bon, mais juste trop tard. La tornade, tu peux la faire en compte, hein. Non mais je suis assez mauvais pour les comptes, mais il faudra vraiment que je m'entraîne. S'il réussit, j'appelle cette vidéo Utgard sauve Soren de NNR. Ouais, c'est trop gris ici. Ouais, c'est trop gris ici. Oh! Aïe. Ah! Lui, il est fort. Aïe, 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 aïe! Santé. Ça
ça va être tendu, ça va être vraiment tendu, je le préviens. Oui. Aïe aïe aïe, pitié que je survive, pitié que je survive. Oh là là. Je vais essayer de régénérer mon noyau et de lui péter la gueule avec. Ah. Fuis, garde, fuis. Ok, j'ai pu en prendre deux. J'ai cliqué comme un taré pour activer ma forme et elle s'est pas activée. Chier. Ouais. Bah ça. Oh. Putain. T'as bien géré. Attends. Mon pêche tout seul, mais je, c'est moi. Je l'avais son rythme, je l'avais. Ah. Ouais, c'est moi qui ai merdé aussi de toute façon. Mais seul je peux me le faire, mais faut que je gère mieux. Faut que je gère mieux. Mais surtout qu'on avait pas, on avait pas de seconde vie. Ça nous aurait aidé, tu vois. Là tu vois, là on va y arriver. Je pense. Ma vie, on s'en va être plus en vache, ça me gosse. Attends. J'ai un truc à regarder. Des gars qui est en train de mourir tout seul dans le feu. Oh bah ça arrive. Parce que parfois ils tombent dans le. Ils tombent dedans. Est-ce que la cinématique va se couper ou pas? Moi je touche pas ma manette là. Je sais pas pourquoi ça se skip, mais bon c'est pas grave. Ça, on essaiera de voir ça pour plus tard. Pourquoi ça se fait. Ouais, elle a déjà son pattern de seconde phase. Non. Allez, on le recte en 2 minutes.
partir du moment où elle est allée dans son monde yokai et qu'elle nous a amené avec elle, c'était sa fin, ça a été sa déchéance. Parce que pour info, le monde démoniaque yokai fait que vous régénérez moins vite, fait que vous prenez plus de dégâts, fait que vous faites moins de dégâts, et en fait vous remplacez les malus par des bonus quand vous êtes en forme yokai en fait. Oui, bah parce que tu reviens quelque chose qui est en adéquat avec le monde dans lequel tu es au final. Ouais, donc il y a bel et bien les cinématiques qui se skipent, donc on va corriger ça pour après. Parce que c'est vrai que si on fait le niveau et puis qu'en fait on nous annonce un truc de malade et puis que ça nous skip, on va devenir fou. En fait, c'est simple. C'est tu vas sur le... Ah mais ça je vais garder par contre. Tu vas donc comme j'ai dit, tu vas sur le menu du jeu, puis en fait le menu du jeu, tu vas dans paramètres de jeu et c'est marqué passer les cinématiques au lieu de faire automatique, tu mets en manuel. De qui, moi ? Ouais. Parce qu'en fait, s'il y a un membre de l'équipe qui a cinématique qui se passe automatiquement, ça passe pour tout le monde en fait. Attends, c'est dans quoi paramètres du menu ? C'est quoi paramètres 2 ? Attends, je te dis ça. C'est dans système paramètres de base du jeu. Et là, tu as en dessous, tu as passé les vidéos vues, tu marques manuel au lieu de automatique. Ok. Voilà. Comme ça justement, ce sera à nous en fait de passer la cinématique si on l'a déjà vue. Mais si au moins quelqu'un l'a pas vue, je pense notamment peut-être à Petit Vampire ou à moi, au moins ça nous laissera pas. Donc voilà. 51 minutes, alors oui, on n'a vraiment pas eu de chance vers la fin, mais au moins ça s'est bien passé. Et c'est ainsi donc que se termine ce second épisode sur NNRA. Par contre, j'avertis, on ne refera pas d'épisode sur le niveau 2. Hein, je crois que 2 vidéos, c'est déjà pas mal. Par contre, le Yatsuno Kami, je compte me venger. Si Petit Vampire me rejoint, bien sûr. C'était donc Pharo, Sadius, Utgard Lodbrok et Petit Vampire en conseiller. On se retrouve à la prochaine.